Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Gordian Quest. On avait toutes les clés, me semble-t-il. Oui, nous pouvions donc aller à l'étage inférieur. Nous allons commencer par celui-ci car c'est le plus près. Donc on l'a fait en bas à droite. Hein. Alors, est-ce qu'elles se rejoignent toutes? Je ne sais pas. 99 de renommée, magnifique. Le sol s'ouvre soudainement sous tes pieds, merde! Révélant une petite fosse contenant des crânes brisés. C'est con. Tu essaies d'éviter le piège. Bah vas-y, Jackie. Loupé? Ah! Ah oui! Oui, 18 de dégâts, oui! Oh oui! Oui! Level 26? C'est pas de notre niveau, je crois. Cassons-nous. Comment on fait pour ressortir d'ici et de cette merde? Barrez-vous! Barrez-vous! Installons le camp. Alors. Planter la tente. Alors attendez, lui il est bientôt mort. Ah mais on peut gagner la destinée avec elle. Ah. Trouve des matériaux de fabrication, ouais. Prépare le repas. C'est ça, prépare le repas. Soin de terrain. Voilà, c'est ça toi. Bon, ça coûte beaucoup de provisions, mais faisons-le. Ouais. Ouais. Ouais, prends ça toi. Allez. Ok. Ah, oui. Si je leur donne pas tous les personnages. Hein. Ok, donc toi, 25% des PV max. Voilà. Elle est à fond, elle est à fond. Lui, il lui manque encore un peu de nourriture. Fais un repas chaud, toi. Voilà. On est pas mal. Ok, on peut pas juste leur dire allez-y, dormez maintenant? Non. Ouais, ça me donne de l'épuisement, ça m'embête. Fais ça toi. Va piller. Bien. Allez. Ok. J'ai presque les plans de vie. Bon, on y retourne. Hein. Puis c'est tout. Hein. Attention quand même à nos provisions. Hein. Non, on y va, on y va. Allez. Toujours level 26. Attendons peut-être avant d'aller faire ce combat. Level 26. Level 26, on sait pas ce que c'est. Hein. Y a certains monstres qu'on sait pas. Hein. Là c'est construction, là, on sait pas ce que c'est. Allons les combattre. C'est parti. Allons nous faire laver le cul. Non mais en réfléchissant, normalement on devrait s'en sortir. Ah peut-être être un peu moins greedy. Ils ont masse PV. Donc elle prend 13. Hein. 32 de garde. 28 de garde, ok. Ok.
Viens là. Ah, mais là, il touche plus personne. Parce qu'il visait elle. Ok. Nice move, bro. Voilà. Lui, déjà, il va prendre cher dans sa tête. Voilà. J'aime taper les gens. Ok, elle, il faut surtout pas qu'elle bouge, hein, parce que lui, il attend que ça de, lui faire sa peau. Yeah. Est-ce que je casse ça ou est-ce que je commence à taper eux? Est-ce que le loup, de toute façon, va le taper? Ah merde, il joue avant. Mince. Hot. Ce n'est pas grave. Nous avons des grenades également. Oui! Oui! Ok. Attention à la tresse de garde, ce connard. Faisons attention quand même à ce qu'on fait. Alors. Il a plus tresse de garde. Alors. Ok. Ok, donc lui il prendrait 29. Mais. Il peut tuer les deux. C'est ça, hein? Non. Il peut pas tuer les deux. Parce qu'il a pas de. Ok. Mais elle va pouvoir tuer le deuxième, c'est sûr. Allez. Mais mets-toi de la garde quand même. Comme ça, tu ne subiras pas beaucoup de dégâts. Même pas du tout d'ailleurs. Fragment de lame, mais oui! Ah. Ça. Évidemment. Je le savais. Hein. Ok. Alors, eux, ils ont des épines. On prendra 9 de dégâts dans la face. Mais faut que je tape quand même. Hein. Je suis obligé. Ah oui. Et elle, elle prendra 32 de dégâts dans la trogne. Ouais, je suis chelou. Pas grave. Voilà. Ah, mais j'ai pris que 3 dégâts. Évidemment. Ok, loulou. Ok. Et toi, 13 de garde. Donc là, j'en encaisse un sur. Ah ! Je crois que je le tue. Yes ! Ha 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 ! 23 de garde, ok. Normal. Voilà. On va pouvoir le buter facilement. Allez. Allez. Ok, on a pris un peu de dégâts, c'est pas grave. Ça, c'est bon. Voilà, c'est pas des combats difficiles en fait. Il suffit juste de réfléchir. Ajouter un point de stat en intelligence. Toujours plus. Allons faire celui-là. En plus, c'est des squelettes. Les squelettes, c'est naze. On va se faire laver le cul. Alors. D'accord. D'accord. Voilà. Mmh. 26 sur elle, 28 sur elle. Ok. En vrai? Mais ça n'allait que sur deux rangs. Ça n'allait que sur deux rangs. Ah, tricheur. Tricheur, le troisième rang n'était pas allumé. Ah, ça va me saouler. Ouais, bah, je vais prendre 28 dans la gueule. Merci le jeu. Merci le jeu. Il jouait avant moi, salaud. 28, ils ont 137 PV.
Je peux jouer? Merci. Ah oui, elle va prendre 32 dans la trogne. Il faut qu'il meure, lui. Yep. Ah, d'accord. Ah non, je peux pas. Attendez. Non, mais ce fight-là, non. 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 Voilà. Voilà. Hein? Moi, j'ai envie de dire. On est très bien, là. Le fight avec les mecs qui te font 72 de dégâts, c'est bon quoi. Arrive un moment. Là, eux ils font 10. Ou 13. Donc elle prend 23 dans la trogne. Très bien. Voilà. Elle prend plus 23 dans la trogne. Oh bah ouais, tant qu'à faire. Elle prend plus que 23 dans la trogne, pardon. Alors. 13. 43 de dégâts. Je peux tuer lui. Je vais le faire. Voilà. Et j'ai ça! Nickel! Yeah. Hop là! Dix sur elle, 23 et 13 sur lui. Ça, ça c'est encaissé. Allez. Toi tu me fais 13 et toi tu me fais 10. C'est ok. Je pourrais tenter de tuer lui. Quel con! Je crois que j'ai fait de la merde. Ah ah ah! Bah non. Tout était calculé, évidemment. Lui prend 10, elle prend 13. Lui prend 14, on s'en fout. Et lui prend 13. Donc il prend 23, lui. Hein. Sauf si j'arrive à en tuer un des deux. Déjà. Donc lui prend pas de dégâts, ce qui est déjà pas si mal. C'est ça, hein. Vas-y.
Voilà. Très bien. Ok. Un autre rigolo. Il fait 13 sur le loup et lui fait 14 sur le loup. Très bien. Ok. Nickel. Tu l'as vu, merci. Ah, ça n'a pas bougé. Dommage. Ah, lui est plus fort. C'est un élite. 13 de dégâts sur toute la ligne. Bravo à lui. Il ne meurt pas encore. Il meurt. Je suis content. Ah, alors, un carquois. Un carquois, hein. Toi, le carquois, est-ce qu'il est pas mieux que le tien? Plus 2 en force, plus 1 en dextérité, plus 5 en initiative. Ok. On n'a rien ici, hein. Dommage. Il n'y a pas de truc comme ça. Dommage. Pas une grenade. Que je n'utilise jamais, hein. Vous aurez remarqué. J'en ai, mais on se demande pourquoi. Bah oui. Pourquoi pas. Ok. Alors on va pas aller là. Allez. Les provisions. Et là, on a un point de passage. Ça, c'est très bien. C'est tentant. Elle fait quoi, elle, déjà? Ouais. Ah, bah là-bas. Un anneau. Pour les gouverner tous. Non ! Connard ! C'est pas grave. Allons là. Tu devrais une réserve sans... Tu découvres une réserve sans temps les renfermer. La porte verrouillée, plusieurs choses s'offrent à toi. Bah, un petit peu de dextérité. Voilà, tu vois quand tu veux. D'argent. Niveau 26. On va y aller. De toute façon, on a une téléport hein, pour rentrer en ville si jamais. Allez. Ils se mettent tous en défense. Sauf lui. Lui nous tire dessus. Tel un sac à merde. Merde, il lui reste vraiment un PV. Il tente la 1 PV strat. Soit.
Voilà. Ils ont plus d'armure. J'ai peut-être dû faire ça pour éviter les dégâts stupides. Ok. Ah, ça fait quoi déjà ces cités ? Les dégâts infligés avec ces sont moins tués, moins efficaces contre la garde, d'accord. Alors, lui tape pour 16L. Lui tape pour 16L et lui tape pour 13L, d'accord. Donc c'est elle qui prend tout dans la trogne. Très bien. Ok. I got it. Dégage. Hop. Alléluia, mes frères. Elle prend 32. Ok. Elle va quand même prendre 32 dans la trogne. Hein. Allez! Ça le tue pas! Bon, elle prend que 16, ça va. Ça va. Ça fait mal au cul, mais ça va. Ok. Ok. Alors, toujours taper la même. Voilà. Tape, je t'attends. Non, pas ça. Une tempête de sable. Elle est. Gagne 4 points de vie. Ça va. Après, on peut lui donner un truc de Dex, hein. Plus un rang, arme contondante, sept, plus un dégât. Plus 3 PV max, plus 1 résistance physique, restant 1 PV en tuant un ennemi. Ouais. C'est bien ça, hein. Les PV. Voilà, on aime bien nous les PV. Ah oui. Ça on attendra pour le moment. On va rentrer. Alors pourquoi on rentre ? Pour se soigner. Évidemment. Merci.
J'ai trop de trucs. Déjà. Les artefacts, non. Les runes, non. Ça, non. Ça, non. Non. Les consommables, on va les garder. Les ceintures. Déjà, tout ça, là, on va vendre. Alors, est-ce que si je change, ça garde ? D'accord. Déjà, on va vendre toute la merde, là. Ça, c'est de la merde. Plus un à la force, c'est de la merde. Ça au moins il te donne une compétence. Je pense que tout ce qui est gris, on peut vendre en fait. Ça sera déjà pas mal, ça nous enlèvera un peu de conneries, de merde. On se sent plus léger. Hein. Ok. Voilà. Alors, ensuite. C'est pas lui, c'est elle. Non, c'est pas elle. Un de furie. Les cartes autres que blanches, ouais. Ah, on peut lui acheter des parchemins de portail. Combien il m'en reste? On le sait? Je sais plus. Oh, ça a l'air bien ça. Oui. Bien. Oh, c'est bien ça. Comment on fait déjà pour utiliser les artefacts instables? Ok. D'accord, double sort. Ok. Ah mais Kudo, on s'en fout. Ça, c'est bien. Ok.
Avec 3 de renommée, quoi. Ah, j'en ai plus qu'un de parchemin de portail. Dommage. Bon, on va refaire ce fight, hein. On va essayer de réfléchir 30 secondes. Alors, 26 sur elle, 28 sur le caillou, 21, 26. Ok, donc elle prend 47. Elle prend déjà plus que 26. Lui, t'as bien le caillou, hein, ouais. Ok. Oh non. Oh non. Ouais, mais non. Là, il tape devant. Bah, tu vas attendre. Ok. Ah. 28 sur le caillou, très bien. 26 sur le caillou, très bien. Dégage. Là, là, il va casser ça. Et après, on peut lui casser la bouche. Ah, mais il a acheté de l'or. Il nous faut l'or. L'or. Elle est 26 sur elle. Très bien. Je peux rien faire. Merci pour l'or. 26 sur elle. Sur elle, très bien. Prends l'or, hein. Le mec utilise des pouvoirs pour prendre l'or. Voilà. Et elle a pas pris de dégâts, nickel. Allez. Je peux finir le combat, mais je peux aussi aller chercher l'or. Et ça, c'est important. Voilà, c'était quand même beaucoup plus facile. 320 balles ? Merci ! Merci pour l'argent. Allons là-bas. Ah là là. Tu tombes sur une réserve qui semble qui sent le renfermer rempli d'instruments alchimiques. Score pour réussir. 22. J'ai à faire un 15+. En vrai. J'aurais réussi dans tous les cas. 260 d'XP. Tu obtiens les objets. Yeah. Alors pourquoi j'ai fait avec... parce qu'elle est en retard, elle, sur son XP. Par rapport aux autres.
Voilà, donc il faut qu'elle rattrape. Donc arrivé un moment, il faut faire des choix. Voilà. Oh. Coffre. J'aime les coffres. Ok. J'aime les coffres. L'âme cachée. Oh. Ok. Événement là-bas. Hein. Apparemment, il n'y a plus rien derrière. Le passage sinueux aboutit sur une vaste pièce avec un bassin sous grille, encerclé par des assemblées de barres métalliques. D'accord. Au centre du bassin, d'immenses racines s'élèvent en forme de bulbes, fibreux, luisants, qui s'étirent vers le haut. Très bien. Des flashs d'énergie brillants générés par le bulbe palpitent le long des racines. Sur le panneau, près du bassin, se trouve un levier. Les barres commencent à tourner doucement puis avant de s'arrêter. Rien d'autre ne se produit. Tu devras trouver une source d'eau pour servir de fluide conducteur au bassin. D'accord. Donc on va devoir revenir ici. Bien. Go. Attention à nos... On n'a plus beaucoup de provisions. Hein. 18. Attention. Bah, là-bas. Hein. On va faire un détour par cet événement. Quand même. On n'est pas des animaux. Tu découvres une fontaine de marbre. De l'eau claire. Ah. Tu perds 2 provisions. Ajoute un modificateur de récompense aléatoire à un nœud proche. 50-50, c'est ok. L'eau a un goût saumâtre. Ah! Merde. On est dans la merde. Réussite. 8 plus, ça passe. 8 plus, ça passe. Ah bah non. C'est pas grave. Peu après, la douleur persiste légèrement, te laissant un souvenir cuisant. Ok. Ah, mais voilà. Pourquoi? Ah, parce que ça passe par là et qu'il faut faire ça à l'avant. D'accord. Je vais le faire. Contient une rune, parchemin, de l'or. Applique un bonus ou un malus aléatoire. Merci pour la rune de force, plus en force. Nice. Des morceaux de cartes, ok. L'or. Ok. Ah. Alors, nous a-t-on dit que nous avons eu une rune de force? De quoi ça? Accorde plus un... Ouais, mais non. Plus 2 PV max, ok. Oh, mais j'ai un truc de vie. Bien. Voilà. Les compétences attachées gagnent un modificateur intrinsèque. Ça tombe bien, il n'y a pas de... Tu ne l'as pas. T'as pas de compétences attachées dessus, donc tout va bien. Et toi, t'en as pas non plus. D'accord. Non, c'est vachement bien intrinsèque. Sur ce... Oh, j'ai le mapping. Comment je fais pour aller là? J'ai... Ah, mais on peut redescendre ici, d'accord. Level 29, ok. Vas-y. Pas fait celui-là, et celui-là on peut encore descendre plus bas, mais il faut être level 72 000. Est-ce que j'ai le mapping? Je n'ai pas le mapping. Très bien. Allons faire cet événement. Un test de force, tous les héros, merde, un grondement profond, merde, ça s'effondre sur notre gueule. 5 plus, c'est ok. Bravo. Vas-y, non, toi...
Merci. Je peux pas louper. 11 plus, c'est pas ok. Là, c'est bon. C'est ok. Je crois qu'elle aura réussi dans le, dans tous les cas. Et voilà, Catherine monte d'un level, très bien. C'est ok pour toi. Et oui. Faire confiance un peu au perso de temps en temps. Hein. Merde, hein. Bordel. Il faut forcément que j'ai trouvé une carte. J'ai pas envie. Celle-là. J'suis obligé. Point de respect. Tu veux dire quoi? Ah, je peux l'échanger. Je l'échange contre quoi? Ah! Là, j'ai perdu une défense pour gagner une attaque en plus. Est-ce que c'était intelligent? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi je pourrais pas y aller? C'était un fight. C'était un fight. Ah. Donc, tous les deux 17. Donc elle prend 34, lui prend 17. Elle prend 14 et 17. D'accord. Ouais. Ils sont chiants, toujours changer de cible. Elle, elle prend que 17, hein. C'est où sa brûlure là? Bordel de bite. Ah non mais attendez. En fait, j'avais envoyé sur lui à la base. Ah oui, d'accord, ça fait un grand... D'accord. Quatorze sur toi, 17 derrière. Très bien. On va s'occuper de lui. Zéro. Fallait lire. Il ne meurt pas. C'est bon. Et on a utilisé un objet. Hein. Il a utilisé un consommable. Et ça. Plus d'or, plus d'argent. Est-ce que c'est pas notre objet, ça? Hello. Récupération d'or. Et voilà. Plus d'or. Non. Nous, on aime ça, l'or. L'or, c'est bien. Alors, ils sont 12 000. Très bien. Voilà.
Ok. Dégage. Dégage. Hop, dégage. Et lui, il meurt. Très bien. Il a pris de la glace. Ça, c'est bon. On a rarement fait un tour comme ça, hein. Bouger servirait à rien. Ça fait rien pendant ce tour-là. Yes. Ok. Qui prend tout. Normalement, c'est bon, je prends rien. Il y a la garde. Attention à lui. Ok. Il a piégé celle là-bas. Très bien. Ça sert à rien. Mais t'as rien. Fais ça quand même. T'as déjà ça de gagner. Je vais me faire brûler. Allez. Tu sais que t'auras pas le temps de le faire, ta brûleur. À 91 PV quand même. Ah oui. Il va être chiant. Ah, j'aime bien, c'est les héros ne peuvent jouer que 15 cartes pendant un tour. Genre, j'ai déjà joué 15 cartes pendant un tour. Mais c'est que des armes de merde. Ok. Mais au moins, on gagne de l'arme. Et ça, c'est bien. Plusieurs squelettes gissent. Résultat. Voilà.
Ok, donc là-bas on gagnera des provisions. Chut, je m'en sers jamais. Allons là-bas. Attention aux provisions. Ok. Une, deux provisions, contient de l'or. Yes, on peut tout prendre. Ça c'est bon. Il y a une carte, très bien. Oh. Ah, attendez. Ouais, je peux pas tout avoir. Hein. Si je m'arrête là... Ah, mais si, je peux tout avoir. Mais c'est bon, ça. Voilà. Nickel. Ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.